tous. Alors pour ce lundi de la mer du mois d'octobre, Patrick Jesdorfer nous fait l'amitié de venir présenter une partie de son travail qu'il a publié aux éditions Nouveau Monde. Patrick est océanographe, il a été directeur de recherche au CNRS, il est membre de l'Académie de Marine. Et avec lui, nous allons plonger de la surface des océans jusqu'aux abysses pour suivre son histoire de l'océanographie. Donc on se retrouve tout à l'heure pour une partie de questions après son intervention. Bonne conférence. Bonjour. Je remercie la Maison de la Mer de m'avoir demandé de venir vous présenter l'histoire de l'océanographie qui effectivement fait l'objet d'un livre. Je vais essayer non pas de vous faire l'histoire de l'océanographie, c'est trop. Je vais plutôt vous donner quelques éléments parce que l'histoire de l'océanographie, ça serait plusieurs tomes. Alors, sur ce premier transparent, j'ai représenté une offure des grandes profondeurs. J'ai fait ma thèse sur les très grandes profondeurs. Et les trois institutions auxquelles je suis attaché, le CNRS, où j'étais directeur de recherche, comme je viens de le dire, en océanographie, la Marine nationale, dont j'ai été un officier, et l'Académie de marine, dont je dirai un mot tout à l'heure, parce qu'elle s'inscrit dans l'histoire de l'océanographie, dont je suis membre actuellement. Alors, peut-être que ça ne sert à rien que je rappelle ça devant vous, parce que vous le savez aussi bien que moi. C'est tout de même l'essentiel de notre planète, c'est la mer, et plus précisément, je dirais, les océans, puisque les mers ne sont jamais que des appendices des océans. Mais les gens ne sont pas toujours conscients, on leur dit toujours c'est la planète bleue, mais enfin pour eux ça ne veut pas dire grand-chose. Mais une grande partie de l'histoire de notre globe, de la vie, toute la vie est issue de cette masse d'eau. Alors l'histoire de l'océanographie, si on veut, je vais vous le dire plus tard, elle commence en fait à la fin du 19e siècle, ou au mieux au milieu du 18e. Néanmoins, ceux qui ont les premiers qu'on peut considérer comme des océanographes, ce sont les navigateurs qui ont été amenés, notamment ceux qui sortaient de la Méditerranée. La Méditerranée, c'est une mer, ben, d'accord, mais enfin, c'est l'Atlantique tout de même, et le Pacifique pour les Chinois et autres, et l'océan Indien pour les populations arabes. C'est là les premiers qui ont fait des remarques et qui ont compris un certain nombre de phénomènes, qui sont des phénomènes que relève de l'océanographie maintenant. Ainsi, par exemple, Pythéas, qui était un navigateur grec basé à Marseille et qui a fait des campagnes d'exploration, il est monté, il a reconnu Ouessant, il est monté jusqu'au Shetland. Pythéas avait très bien compris le phénomène des marées, enfin, pas compris aussi bien qu'on peut le comprendre maintenant, mais il avait très bien compris que la Lune avait un rôle important dans le phénomène des marées, aussi bien dans leur rythme sur la marée qu'on a sur nos côtes, qui n'est pas celle qu'on trouve dans le monde entier, mais notre marée avec deux hautes mers et deux basses mers par jour, eh bien, il avait compris que c'était lié à la Lune, y compris les grandes marées. L'arrogant César, qui est venu envahir la Gaule, aussi avait tout de même des gens qui lui ont aidé à comprendre la marée, ce qui a été malheureux pour les gens, les Vannetais de l'époque, les Vénètes. Donc, les courants, la marée et le rôle des vents aussi et des vagues étaient déjà compris. Et à la fin du 15e siècle, déjà, il y avait un certain nombre de choses qui permettaient de travailler en mer beaucoup mieux que par le passé. C'était les caravelles, c'était les boussoles, que nous appelons les compas, c'était une connaissance assez bonne des courants, notamment en Atlantique, pour se limiter aux Européens. Et en fait, quand on parle de la Renaissance, pour l'historien Le Goff, qui n'était pas un historien maritime, mais je pense comme lui, que la Renaissance n'existe pas pour les sciences, notamment pour l'océanographie. L'essentiel des moyens qui ont permis de découvrir et de comprendre les mers, c'est-à-dire, je viens de vous les citer,
était en place déjà avant la Renaissance, et c'est au XVIIIe siècle, voire à la fin du XVIIe, que les choses ont évolué, qu'il y a eu une révolution, on a parlé de la révolution scientifique à l'époque. Donc ce portulan vous simplement rappelle que dès le Moyen-Âge, au Moyen-Âge, les portulans, il y avait qui faisaient état des marais, il y avait des espèces d'horaires de marais sur certains portulans, et il y avait ce qu'on appelait les pilotes, qui étaient les instructions nautiques en fait, de l'époque, avec énormément de renseignements. Il y avait les pilotes, notamment l'école de Fécamp, et, de Dieppe, pardon, et il y en avait au Conquet aussi. Donc il y avait déjà une bonne connaissance de la mer, on ne parlait pas de sérographie, c'était de la navigation. Voilà. Alors, je traite un peu la marée, parce que la marée est quelque chose qui est à part dans l'océanographie, et même si Pythéas et les autres avaient compris, même au XIXe siècle, il y a un écrivain connu qui avait dit « Les paysans bretons sont tellement arriérés qu'ils croient que la Lune... a une influence sur la marée. » J'ai oublié son nom, mais dans mon bouquin, c'était un membre de l'Académie française, très connu à l'époque. En fait, la marée, les peuplades maritimes, comme celles qui peuplaient les côtes d'Atlantique, de l'Europe, avaient assez bien compris le rythme. Mais c'est avec Newton et les lois d'attraction universelle qu'on a compris comment la Lune et le Soleil pouvaient influencer la marée. Et après, il y a eu des développements considérables. Les mesures de la marée sont anciennes. Elles ont commencé à Brest, j'ai mis à la fin du XVIIe siècle, c'était des mesures pas permanentes comme c'est maintenant, mais les premières mesures que observait le service hydrographique de la marine, c'est la fin du XVIIe siècle, et au XVIIIe siècle, le marégraphe de Brest était déjà en fonction. Voilà, 1711-1717, les hydrographes faisaient des relevés en continu à Brest. Après, Pierre-Simon Laplace est intervenu, effectivement, et a pratiquement établi les règles de fonctionnement des marées. À partir de la moitié du XIXe siècle, on a eu des horaires de marée établi par le service hydrographique de la marine. Et actuellement, nous connaissons tous les horaires de la marée actuelle qui sont à la suite. Et Laplace avait mis une formule de prédiction de la marée. Cette formule de prédiction de la marée, elle a été en service jusqu'en 1992. Vous voyez, je l'ai marqué là. La formule de prédiction de la marée et de Laplace. À partir de 1992, grâce aux ordinateurs, on a peaufiné les prédictions de marée en faisant intervenir les différentes harmoniques, les différentes attractions des différentes planètes, enfin la Lune et l'étoile Soleil. Mais jusqu'en 1992, la formule de Laplace a été utilisée par le service hydrographique de la marine. Alors, je ne reviendrai pas sur la marée, quoique ce soit un phénomène important et essentiel. Il faut savoir que le phénomène de la marée, actuellement, retarde la moyenne la rotation de la Terre en permanence et que peu à peu la Terre ralentit. Enfin, on ne s'en aperçoit pas trop, mais les astrophysiciens et les astronomes le savent, grâce notamment au frottement dû à la marée. Alors, il ne faut pas que je me trompe de bouton. Voilà. Donc, en fait, c'est au siècle des Lumières que. Évidemment, en se débarrassant de la tutelle, enfin pas totalement, de la tutelle notamment de l'Église catholique, et en admettant qu'on remette en cause les dogmes de cette Église, qu'on a pu commencer à faire avancer la science au sens où nous l'entendons actuellement. Parce que évidemment, il y a eu à la Renaissance des gens qui ont fait des traités, on voyait des poissons et autres, mais on voyait aussi des sirènes, des monstres marins, des moines. Donc à partir du 18e, c'était terminé. Alors il y a un certain nombre d'institutions qui ont été créées. Alors il y a le dépôt général des cartes et plans et mémoires concernant la navigation, c'est l'ancêtre du service hydrographique de la marine.
Et il a changé de nom, comme vous le voyez, pour devenir au service hydrographique et océanographique de la marine, au moment où la marine a pris en compte de façon un peu lourde, un peu importante, l'océanographie. Elle n'avait jamais négligé, mais c'est devenu un élément très important au point de vue des forces navales. Et donc, à ce moment-là, on a ajouté le haut, parce que c'est devenu service hydrographique et océanographique de la marine. Mais la création est au siècle des Lumières, c'est l'encyclopédie de Diderot qui a beaucoup de données sur la mer. La Révolution française a créé le Bureau des longitudes, qui existe encore. C'était un problème de navigation plus que de scénographie. Le problème, c'est qu'on déterminait bien la latitude depuis longtemps, mais on déterminait mal la longitude. Alors, pour déterminer la longitude, on faisait des calculs assez savants et assez compliqués à partir de la Lune, autres, et c'était très compliqué. Et au XVIIIe siècle, les marins qui n'arrivaient pas à se caser facilement sur la surface de la mer et à retrouver les côtes se sont lancés, ont demandé au pouvoir public de s'intéresser à ce problème. Les Anglais ont créé l'observatoire de Greenwich, où passe actuellement à poil près le méridien de Greenwich, le méridien zéro. Et les Français ont créé le Bureau des longitudes, qui existe toujours, avec comme mission de déterminer une méthode pour avoir une longitude correcte, et la méthode qui s'est avérée la bonne, et que nous avons connu, maintenant il y a le GPS, mais des officiers de marine qui ont été formés comme moi, dans la marine marchande ou dans la marine de guerre comme moi, dans les années 60, et il y avait les montres, il y avait sur les bateaux des montres, et un officier des montres, et on calait une montre sur le méridien de Greenwich, puisqu'on avait abandonné le méridien de Paris à la fin du 19e siècle. Et c'était comme ça qu'on déterminait la longitude. Et c'est encore là une bonne méthode, d'ailleurs. Par ailleurs, donc, le Bureau des longitudes avait pour objectif ça, et d'établir les éphémérides nautiques, ce qu'il fait encore de nos jours, puisque le Bureau des longitudes existe toujours. Et puis, il y a eu le Muséum d'histoire naturelle, qui a été créé par la Révolution aussi, en 1793, par la Convention, il existe toujours, et il y a eu un certain nombre d'océanographes, on va le voir, de futurs océanographes qui sont issus du Muséum d'histoire naturelle, et actuellement il y a encore un petit peu d'océanographie, mais ce n'est pas l'endroit essentiel pour faire de l'océanographie, et les gens qui en faisaient au Muséum d'histoire naturelle, c'était essentiellement des gens du CNRS, qui était mon cas. Et enfin, le système métrique est arrivé à cette époque-là aussi. Et en dehors des Anglais, des pays anglo-saxons, c'est devenu universel, comme vous le savez. Alors, au XVIIIe siècle, il y a eu un premier océanographe, si on veut. Il ne s'intitulait pas océanographe, le terme d'océanographie est arrivé beaucoup plus tard, quoiqu'on le trouve dans un document du Moyen-Âge, mais ça a été oublié, il a été créé à la fin du XIXe. Il y a un Italien qui s'appelait Marsigli, et qui travaillait en France, c'était une espèce d'aventurier, il a été guerrier, il a été pirate, il a été esclave des Turcs, et puis il s'est mis à faire de la recherche en Méditerranée, de façon, en liaison avec l'Académie des sciences, de façon fort intelligente, et il a été édité un bouquin, qui est 1725, Histoire physique de la mer, c'est traité de la Méditerranée. Il avait compris la structure de la Méditerranée, notamment il avait compris qu'en dehors de quelques centaines de mètres de profondeur, on avait une couche homogène d'eau assez froide. Et il avait compris aussi les mouvements d'eau dans le Bosphore et aux Dardanelles, l'eau sortant de la mer Noire et celle rentrant de la Méditerranée. Et il avait conclu que ça va être comme ça au détroit de Gibraltar. Effectivement, c'est la même chose, mais en sens inverse, puisque les eaux qui sont supérieures au détroit de Gibraltar sont celles qui sont inférieures au Bosphore. Et il a traité toutes ces questions-là, et il a été complètement oublié, alors qu'il avait fait un travail considérable et qui est tout à fait scientifiquement valable, avec des moyens de l'époque qui étaient tout de même assez rudimentaires. Et maintenant, on reconnaît tout de même la valeur. Vous voyez, après avoir été pirate, après avoir été esclave, il était devenu un monsieur très convenable, avec une perruque. Au XVIIIe siècle aussi, là, je plaide pour mon actuel maison, c'est-à-dire, on a créé l'Académie de marine. C'était un groupe d'officiers, d'ingénieurs de marine à Brest en 1752,
qui ont compris, c'était déjà de la théorie des Lumières, c'était des adeptes des Lumières, et ils ont compris qu'il fallait faire de la science pour la navigation, ça rejoint le bureau des longitudes, et qu'en plus, il fallait travailler pour l'ensemble de la communauté maritime, d'ailleurs la devise actuelle de l'Académie de Marine, qui est sous le logo de l'Académie de Marine, c'est la recherche des sciences au profit de tous. Et donc, l'Académie de Marine existe toujours. C'est un établissement public national sous la tutelle du ministère de la Défense, au dépend du ministère de la Défense, et sous la tutelle aussi du chef d'état-major de la Marine. Il y a 6 sections, avec 13 membres chacune, et elle travaille régulièrement dans tous les domaines, la marine marchande, la scénographie, le droit maritime, l'histoire de la marine, il y a des peintres de la marine. Et donc, elle a toujours un rôle actif, et c'est un organisme conseil auprès des pouvoirs publics. De temps en temps, régulièrement, le chef d'état-major de la marine demande de faire des études pour les besoins. On n'est pas tous des officiers de marine, il y a des profs d'université, il y a des peintres, il y a des juristes. Tout le monde n'a pas porté l'uniforme bleu de la marine nationale. Enfin, il y a toujours une petite tendance. Alors, un autre bonhomme qui a une importance avant la scénographie apparaisse vraiment, c'est l'Allemand Alexander von Humboldt, qui est surtout connu pour ses voyages d'exploration en Amérique du Sud. Il est monté en haut des Andes, il a fait des découvertes sur la botanique, il avait avec lui un botaniste français qui l'a accompagné. Et non seulement il s'est beaucoup intéressé aux terrestres, mais il s'est aussi intéressé aux marins. Et notamment, il a fait des descriptions qui sont, je ne veux pas vous lire, mais je les ai prises dans mon bouquin, qui sont extraordinaires du plancton. Parce qu'à cette époque-là, quand on faisait de la science aussi, on décrivait bien, et puis c'était quelquefois assez poétique. Ce n'est pas toujours actuellement le cas des textes scientifiques qui sont plutôt austères. Et donc, il a fait des descriptions de la mer et des animaux marins remarquables. Et surtout, il a mis en évidence un courant qu'on voit ici. Voilà, un courant qui remonte de la mer australe jusque ici, aux latitudes tropicales. Et c'est le courant qu'on appelle le courant maintenant de Humboldt, le courant du Chili. C'est des eaux froides qui remontent vers les eaux tropicales. Et c'est ce courant qui crée des remontées d'eau froide le long de la côte du Pérou et du Chili, qui crée ces population importante de poissons, puisque ces remontées d'eau froide amènent du nutriment du fond de la mer et permettent des grandes populations de plancton et donc de poissons et d'oiseaux de se développer. Et quand ce système de remontée d'eau froide, que nous appelons des upwellings, est perturbé, on se trouve dans ce qu'on appelle le Niño, la situation du Niño. C'est à ce moment-là que des eaux chaudes qui arrivent de la partie ouest du Pacifique envahissent la partie orientale du Pacifique, et ce système, le courant existe toujours, mais ce système de remontée d'eau froide est perturbé, et l'ensemble du climat de la planète à cause du Niño est perturbé lui aussi. Actuellement, il y a eu un Niño récemment qui n'a pas été très important, mais il y en a eu un il y a quelques années qui a été très très important, il revient périodiquement. Et le Niño, c'est l'enfant, parce que ça apparaissait souvent, grosso modo, c'est à la période de décembre, vers Noël, par là. Mais enfin, c'est approximatif tout de même. Donc Humboldt est un monsieur qui a eu un rôle très important au point de vue des sciences, et non seulement de l'océanographie, mais je vous le disais, de la géologie, de la botanique et autres. Alors, maintenant, on va passer plus directement à l'océanographie. Donc les courants étaient connus par les navigateurs, et en particulier le Gulf Stream, enfin ce qu'on appelle le Gulf Stream. Et dès le 19e siècle, 18e siècle, une carte du Gulf Stream a été établie par Franklin Roosevelt. C'est la carte qui est... Il y a la flèche par là, oui. C'est cette carte-là. Les pêcheurs, notamment les chasseurs de baleines de la côte est de l'Atlantique, est des États-Unis, de l'Amérique du Nord, s'était aperçu qu'il y avait un courant froid, un courant des eaux froides ici,
des eaux chaudes là, et qu'entre les deux, il y avait un courant qui portait vers l'est. Et ce courant qu'on appelle le Gulf Stream, et que nous n'appellerons pas tout le temps le Gulf Stream, ils avaient très bien compris comment il était. Ce qui fait que les bateaux, notamment qui venaient de l'Amérique du Nord vers l'Angleterre, utilisaient ce courant qui, et donc gagnaient plusieurs nœuds par heure et arrivaient plus vite. Par contre, les Anglais, qui n'avaient pas tout de même, notamment la Royal Navy, n'allaient pas tout de même s'aligner sur les positions de vulgaires pêcheurs de baleines, ne tenaient aucun compte de cette carte et mettaient plus de temps pour revenir en Amérique du Nord. Donc cette première carte du Gulf Stream, elle est historique. Alors, après, au milieu du 19e siècle, il y a un officier de la marine américaine, Maury, qui a cessé de naviguer à la suite d'un accident. Il était devenu, on dirait, handicapé maintenant. Et donc, il s'est mis à étudier le rapport entre les vents et les courants. Il a établi des cartes courant-vent, mois par mois, sur l'Atlantique Nord. Et il a commencé à établir des cartes du Gulf Stream beaucoup plus précises que celles de Franklin Roosevelt. Voilà ces cartes, on ne voit pas bien sur ce dessin. Et donc, il s'est aperçu qu'il y avait ce courant ici, il y avait une partie qui remontait vers le nord, le long des côtes de Norvège, une autre qui se bouclait ici pour revenir se refermer sur les courants qui vont d'est en ouest à la zone intertropicale. Alors d'ailleurs, le Gulf Stream, les océanographes et tout le monde, maintenant on cesse de l'appeler Gulf Stream à partir du moment du sud de Terre-Neuve, on l'appelle dérive nord-atlantique puisque c'est une dérive due au vent. Donc Maury a fait un travail important de mise au point du Gulf Stream. Par ailleurs, des hydrographes français et anglais dans d'autres mers ont établi des cartes de courant très précises et au milieu du 19e siècle, on connaissait assez bien les courants de surface, hein, de l'ensemble des océans, sauf les zones extrêmes, les zones polaires, nord ou sud. Alors maintenant, ça c'est une image du Gulf Stream faite par satellite, les colorations, les satellites donnent des images en noir et blanc, ça, les colorations ont été faites. Vous voyez le Gulf Stream ici en rouge, et vous voyez qu'il forme des méandres, des tourbillons, et ça c'est une caractéristique qu'on connaît maintenant depuis 20 à 30 ans, c'est que tous les mouvements marins sont tourbillonnaires, notamment les courants. Vous voyez le Gulf Stream ici en rouge, hein. Et au nord, on a les eaux froides qui descendent de Labrador. Et au sud, on a les eaux chaudes de la mer des Sargasses. Et quand on navigue dans ces coins-là, on passe brutalement du Gulf Stream, de la zone rouge, c'est la zone chaude, la couleur n'a aucune importance, c'est pour faire joli. On passe de la zone chaude à la zone froide. À la limite, l'avant du bateau peut être dans une eau et l'arrière dans une autre. Enfin, à la limite. Voilà donc maintenant la vision qu'on peut avoir d'un courant. Et vous voyez tout de même qu'ils avaient pas mal fait leur boulot, les gens du 18e et du 19e siècle. Donc, alors actuellement, le Gulf Stream est en permanence travaillé, notamment par les Américains, par un laboratoire américain qui est au Cap Cod, au nord de New York. Et périodiquement, on demande à la radio et à la télé si le Gulf Stream va s'arrêter. Or, le Gulf Stream ne peut pas s'arrêter, parce que le Gulf Stream, comme son frère, dans le Pacifique, tous ces systèmes de courant qui forment des boucles dans l'Atlantique Nord, dans le Pacifique Nord, dans l'Atlantique Sud, dans le Pacifique Sud, sont liés au mouvement de la Terre. Donc pour que ce type de courant s'arrête, il faudrait que la Terre s'arrête de tourner. Donc s'il y a un problème de courant, ce n'est pas le Gulf Stream, le Gulf Stream ne s'arrêtera pas. Il peut se déplacer si les continents se déplacent, il peut se déplacer en fonction du mouvement, mais il existera toujours dans ces grandes lignes. Donc c'est une question qu'on entend régulièrement à la radio et à la télé. Et en général, la personne qui est là, sauf si c'est un professionnel de la mer, répond n'importe quoi. Alors, autre chose, puisqu'on est en Bretagne et que je suis breton, comme Baudon l'indique, il faut que vous sachiez que ce qu'on nous a dit sur le Gulf Stream est faux. Le Gulf Stream ne radoucit pas nos côtes. C'est plutôt les vents d'ouest qui viennent de la mer qui ont une influence adoucissante sur les côtes bretonnes et de l'Europe occidentale. Alors on peut laisser un peu, une petite part au Gulf Stream tout de même, enfin à son prolongation, la dérive nord-atlantique, mais il a perdu beaucoup de son prestige. Cette carte montre ici une carte générale de la bathymétrie des fonds marins. Les zones blanches
ce sont les fonds inférieurs à 200 mètres. Ce qu'on a ici devant la Bretagne, qui se raréfie de plus en plus quand on va vers le Pays Basque, cher à certains de mes amis. Parce que devant le Pays Basque, le plateau continental, les fonds inférieurs à 200 mètres sont très proches du continent. Par contre, au large de la Bretagne, vous savez qu'il faut faire, au large de Brest, par exemple, la rupture de fond à 200 mètres, la rupture du plateau continental se situe à plusieurs centaines d'octiques, de milles marins. Les fonds les bleus les plus foncés sont des fonds supérieurs à 6000 mètres, et le bleu clair, les fonds entre 3000 et 6000. Et puis ici, là, on a des fonds. Pourquoi je vous fais voir cette carte, qui est une carte récente, des fonds marins, qui n'était pas du tout la carte qu'on connaissait au XVIIIe siècle, parce que maintenant, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'océanographie vraiment. Et l'océanographie vraiment a commencé par la recherche vers les grands fonds, sur lesquels que vous avez quelques animaux ici. Le grenadier, il y a quelqu'un ici qui sait que j'ai eu beaucoup d'attrait pour le grenadier, un crabe sous-marin, un autre macronien, d'autres grenadiers et une tête d'un poisson profond. Donc, ce sont des animaux de grande profondeur. Ce qui s'est passé, c'est qu'au milieu du 19e siècle, on a mis des câbles sous-marins pour réunir la France, l'Europe à l'Afrique du Nord, et surtout pour le premier, aller d'Angleterre vers l'Amérique du Nord, puis des autres pays européens vers l'Amérique du Nord. Et pour mettre ces câbles sous-marins, il fallait tout de même avoir une idée de la nature du fond et des profondeurs. Et à ce moment-là, on a fait des études, de bathymétrie, de sondage, pour avoir une idée des profondeurs de l'Atlantique Nord et de la Méditerranée. Par ailleurs, on pensait qu'il n'y avait pas de vie en profondeur parce que les eaux sont froides à 2 degrés très rapidement, au bout de quelques centaines de mètres, entre 5 et puis très rapidement à 1 ou 2 degrés. Il n'y a plus de lumière, la lumière solaire est arrêtée au bout de quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres selon la turbidité de l'eau. Et en plus, la pression devait empêcher les animaux. Donc, tout ça faisait qu'on pensait qu'il n'y avait pas de vie. Or, quand on a remonté des câbles sous-marins, notamment de la Méditerranée, qui revenaient de plusieurs milliers de mètres de profondeur, on a trouvé des animaux fixés dessus, des anémones de mer, ce qu'on appellerait des espèces de berniques, et des trucs comme ça. Donc, la vie existait. Il y avait déjà on avait déjà une idée, puisque par exemple à Nice, un pharmacien qui travaillait avec les pêcheurs de Nice avait étudié des poissons de plusieurs centaines de mètres de profondeur que remontaient les pêcheurs. Donc on soupçonnait que la vie existait, mais ça paraissait impossible. Donc à partir du moment où on a eu la preuve, les Anglais, toujours, ont dit on va aller voir, et il y a un bonhomme, l'Anglais, enfin, c'est pas l'Anglais, c'est un Écossais. Qui s'appelait Wills Thompson, qui a commencé à faire des campagnes de océanographie, alors avec des bateaux de la marine anglaise, des chalutages très profonds, des sondages, et au large des Angleterres, dans l'Atlantique Nord-Est. Et puis, il a obtenu que le gouvernement anglais lui mette à sa disposition une corvette, le Challenger, qui est là-haut, et qu'ils ont aménagé pour faire... faire un navire qu'on appellerait océanographique maintenant. Il y a des laboratoires et ils ont embarqué des scientifiques. Et alors avec des engins de pêche, comme ce chalut à perche, qu'on utilisait encore sur le Jean Charcot dans les années 70. Enfin, c'est une forme pas tellement différente. Et ils ont fait une campagne océanographique dont le trajet est là. C'est la campagne du Challenger. Qui a représenté près de 59 nautiques de trajet. Ils sont partis pour un certain temps, beaucoup plus longtemps que les campagnes océanographiques actuelles. Ils ont rapporté une masse de données considérable, et c'est de là qu'on fait partir maintenant l'océanographie, quoique je vous l'ai dit, pour moi ça commence plus tôt. Et il y a un nombre de volumes tels qu'actuellement encore, on les utilise. Ça a prouvé que les eaux profondes étaient froides, que les fonds, il y avait l'essentiel des fonds marins étaient vaseux, il y avait des sédiments qu'on appelle des vases, qu'il y avait de la vie jusqu'aux plus grandes profondeurs,
et une vie à son niveau supérieur, c'est-à-dire les poissons en l'occurrence, mais qui avaient énormément d'invertébrés. On a mis en évidence, c'était un chimiste qui s'appelait Dittmar, a mis en évidence ce qu'avaient déjà mis en évidence des chimistes français, mais on avait complètement oublié. Il a mis en évidence que la salinité de l'eau de mer était un chiffre qu'on retrouvait dans toutes les mers, autour de 35 pour 1000, et surtout que les composants de cette salinité étaient partout les mêmes. C'était la même proportion, chlorure de sodium, etc. Et ça, c'est la définition de l'eau de mer. Par exemple, la mer Morte, ce n'est pas une mer. La mer Caspienne non plus, ce sont des étangs ou des lacs d'eau douce. La mer, il y a une salinité, mais pas uniquement une salinité dont la composition est bien calée. Ça, c'est Dittmar à partir des travaux du Challenger. À partir de là, l'océanographie a pris naissance et le terme d'océanographie est apparu dans les textes britanniques. La France s'en est mêlée, et de façon beaucoup plus modeste, et Neil Edwards, qui était professeur au Muséum d'histoire naturelle, a obtenu de la marine française la mise à disposition de deux petits bateaux qui sont représentés ici. Ces deux bateaux, vous voyez, ce n'était pas aussi grand que le Challenger. Ils étaient mis à la disposition des scientifiques pendant quelques mois. Il y a eu plusieurs campagnes de scénographie. Entre les Açores et la France, quoi, ils n'ont pas fait le tour du monde. Ils ont travaillé essentiellement dans le nord-est atlantique. Et évidemment, ils ont complété les travaux du Challenger. Ils sont arrivés au même résultat. C'était normal. Et ils ont été des collections d'animaux très importantes qui ont été déposées au Muséum d'histoire naturelle, où elles sont toujours. Et par ailleurs, ils ont tout de même vu qu'il y avait une grande chaîne de montagnes au nord des Açores, une chaîne permanente. Ils ont signalé, ils se sont même aperçus qu'elle était volcanique, et puis cette affaire-là a été un peu oubliée par la suite. Je voudrais dire quelque chose à propos de Neil Edwards. Ils ont fait un travail considérable. Pas comparable à ceux des Britanniques, mais enfin, c'est tout de même beaucoup. Neil Edwards, dans une lettre au ministre de la Marine et de l'Instruction publique de l'époque, souligne qu'en profondeur, il y a des ressources qu'on peut utiliser, notamment des poissons qu'on peut pêcher, des poissons de profondeur qu'on peut pêcher. Et donc, il préconise les pêches profondes. J'ai vu ça avec un grand plaisir. Puisque dans les années 70, on s'est mis en France enfin à faire des pêches profondes et à exploiter un poisson, par exemple le grenadier. Et déjà, Neil Edwards avait souligné la possibilité d'exploitation de ressources profondes par des chalutages profonds, et ce qui était une très, très bonne chose, mais enfin, ça n'avait pas été pris en considération par les autorités de l'époque. Mais de toute façon, les moyens techniques ne permettaient pas une pêche commerciale à l'époque, ce que permet maintenant. Alors, donc ça c'est l'océanographie de haute mer, celle que j'ai pratiquée, mais j'ai pratiqué aussi pour ma formation et puis pour rédiger ma thèse, les stations marines. Il y a des stations marines le long des côtes de France, et la première a été créée en fait à Concarneau par Coste, et Coste a créé une station marine avec comme objectif d'étudier les poissons commerciaux pêchés par la pêche des bateaux de Concarneau. Et cette station existe toujours, et c'était une station du Collège de France, maintenant elle dépend du muséum. En fait, la principale station marine, la première en fait, à part celle de Concarneau, a été créée par Lacaze Dutier, qui était professeur à la Sorbonne, à Roscoff, et c'est maintenant ce laboratoire qui est ici. Au début, il y avait ces bâtiments-là, et puis après, ça s'est étendu. Maintenant, c'est devenu un laboratoire énorme. Et c'est arrivé en 1872. C'est un laboratoire rattaché à la Faculté des sciences de Paris, où on faisait de la recherche sur toute la faune de la Manche et la faune littorale, et aussi où on formait les biologistes marins. Ils faisaient des stages, et c'est encore vrai aujourd'hui, pour les étudiants des facultés de Paris et d'autres facultés. Et les apprentis océanographes font des stages très longs dans cette station, comme dans celle de Banyuls, qui a été créée également par Lacaze Dutier en 1882.
parce qu'il trouvait que le climat breton n'était pas bon. Le truc, c'était pas beau. Par ailleurs, en 1888, on a créé à Boulogne-sur-Mer un laboratoire qui est l'ancêtre du laboratoire de l'Institut des pêches de Boulogne-sur-Mer, maintenant Ifremer. Et enfin, à Villefranche-sur-Mer, c'est en bas, il y a plein de bâtiments qu'on ne voit pas sur le côté, a été créé en 1932 une station, qui est la station zoologique de Villefranche, maintenant le laboratoire de sographie de Villefranche. C'était, il y avait des Russes qui étaient venus là parce que la rade de Villefranche est très riche en plancton et on l'avait découvert et ils étaient en train de travailler, mais ils étaient dans des petits bâtiments qui étaient par là. Ça, c'est un ancien bagne des rois de Sicile. Et peu à peu, notamment des scientifiques, des zoologistes russes qui avaient échappé au tsar après la révolution de 1905, sont venus s'installer là. Et puis, après la révolution d'octobre, la station est tombée un petit peu en désuétude et elle a été reprise en main par l'Éducation nationale, qui l'a rattaché à la faculté des sciences de Paris. Et c'était un très gros laboratoire d'océanographie orienté vers le plancton, de physique, laboratoire de physique et de chimie aussi. Plus que Roscoff, qui est très biologique. J'ai fréquenté abondamment ces deux maisons. Actuellement, ces laboratoires, comme celui de Banyuls, sont des laboratoires qui dépendent du CNRS, et de l'Université de Paris 6, qui est l'héritière de la Faculté des sciences de Paris. Ce sont des très gros laboratoires. Alors, tout le monde a entendu parler du prince. Le prince Albert Ier de Monaco était un riche oisif, avec des beaux yachts, mais il gérait tout de même très bien Monaco, notamment avec le casino qui est à Monaco, il avait d'énormes richesses. Je crois que ça continue plus ou moins, je ne sais pas. Et il avait visité le muséum, il avait vu les résultats des campagnes du Travailleur et du Talisman de Bill d'Edouard. Et on l'a convaincu qu'il fallait qu'il mette ses bateaux à la disposition des scientifiques. Et effectivement, il a embarqué des scientifiques, essentiellement des biologistes. Ils allaient l'été, ça s'appelle les croisières du prince de Monaco. Et ils ont fait des campagnes d'océanographie essentiellement orientées vers la biologie et notamment vers les pêches profondes entre la France en Méditerranée et entre l'Europe occidentale et les Açores. Il y a 110 fascicules, ce sont des ouvrages magnifiques qui sont des ouvrages faits par des scientifiques, le prince n'étant pas scientifique. Et l'anaphylaxie a été découverte à bord de ces bateaux à partir des pêches faites par... les scientifiques étaient à bord des bateaux du prince de Monaco. Il a créé le musée océanographique de Monaco, qui existe toujours, et l'institut océanographique qui est à Paris, rue Saint-Jacques. Il faut dire, deux choses. Le prince de Monaco était un Dreyfusard. Il s'est mêlé de la politique française. Il avait une femme qui était une ardente Dreyfusard. Il a fréquenté Jaurès, Clémenceau et les autres. Il était par contre très hostile à la séparation de l'Église et de l'État. Il a essayé de détacher la France de l'entente cordiale, parce que tous ses princes sont apparentés. Il était apparenté aux Kaisers et il aurait bien voulu que la France s'allie aux Kaisers contre les Anglais. Heureusement, cette petite opération n'a pas marché. C'était un homme tout de même qui s'occupait de politique et autres, notamment de politique française. Ce qui est un peu remarquable, c'est tout de même qu'il a été Dreyfusard, ce qui fait que tous les catholiques de l'époque, tout le monde, toute la droite, lui a fait la gueule. Ça ne l'a pas beaucoup traumatisé. La guerre de 14-18 est intervenue. Et il y a eu plusieurs avancées scientifiques dans plusieurs domaines, par exemple celui des mines, ce qui est de ma spécialité dans la marine, mais surtout, on a fait des travaux scientifiques orientés vers la défense nationale. Et ça, sous la Révolution française, déjà, les révolutionnaires, notamment la Convention, avaient demandé aux scientifiques de travailler pour la défense de la nation, ce qu'ils avaient fait. Paul Pelvet, qui avait, dès 1910, donné des crédits pour l'aviation.
Et surtout, pendant la guerre de 14, il a créé des institutions, des organismes pour travailler sur la défense nationale, pour faire travailler les scientifiques sur la défense nationale. Et notamment, à gauche, c'est la détection des mines, et puis à droite, sur les sous-marins et autres. Et notamment, parmi ces travaux, il y avait des travaux, il n'y avait pas que des travaux vers la mer, bien sûr, mais on a commencé à étudier bien les problèmes de sondage à ultrason, puisque avant, pour sonder, on envoyait un plomb qui descendait si on n'en finissait pas. Tandis que là, on a commencé à utiliser les ultrasons pour étudier la profondeur de la mer. Alors après, il y a Charcot, évidemment. Charcot, c'est un peu comme le prince de Monaco, c'est-à-dire qu'il avait de l'argent, il avait des bateaux, il était un peu plus scientifique que dans la mesure où un médecin est un scientifique, et il a embarqué des scientifiques, notamment Drache, qui était professeur à la Sorbonne, qui était mon professeur, Paul-Émile Victor, des gens comme ça, à bord de ces bateaux. Et en fait, c'est plutôt des campagnes d'exploration qu'ils ont faites, mais il y a eu des travaux d'océanographie faits à partir de, notamment du Pourquoi pas 2, celui qui a coulé, et des levées hydrographiques à la demande de la marine. Et ces travaux, il y a eu des travaux de biologie aussi. Et jusqu'en 1936, comme vous le savez, j'ai mis la géologie, la microbiologie, il y a eu l'anthropologie aussi, avec Paul-Émile Victor. Je reviendrai, je dirai un mot tout à l'heure sur l'anthropologie à nouveau. Jusqu'en 1936, quand il a sombré, on lui avait interdit d'appareiller avec le Charcot, avec le Pourquoi pas en 1936. On lui avait interdit parce qu'on savait que la machine était usée, que le bateau était usé, c'était un vieux bateau, puis il avait tout de même navigué de façon difficile. Grâce à son influence auprès des pouvoirs publics, il a obtenu l'autorisation d'appareiller. Et il n'avait pas prévu, évidemment, mais le bateau a sombré. La France n'a pas été très présente en océanographie, contrairement à l'Allemagne, à l'Angleterre et aux États-Unis, entre les deux guerres. L'Allemagne, notamment, a fait de nombreuses campagnes dans, dans les mers du Sud avec un bateau qui s'appelait le Météor. La France a été absente en haute mer. Les stations marines ont continué à faire leur travail, bien et brillamment. Par contre, en haute mer, n'a subsisté que deux choses. L'Institut scientifique et technique des pêches maritimes, sur lequel je reviendrai, qui avec ses bateaux, notamment le président Théodore Tissier, qui a été construit au début des années 1930, mais ils avaient d'autres bateaux avant, et le service hydrographique de la marine pour les besoins des cartes et documents nautiques. C'est les seuls, sans parler de Charcot évidemment, c'est les seules campagnes qu'il y a eu en haute mer pour le compte de la France. Jean Zay, ministre de l'instruction publique du Front populaire, a créé en 1939 le CNRS avec son secrétaire d'État, Jean Perrin. Et ce CNRS avait pour mission de développer l'ensemble des recherches françaises indépendamment des universités, parce qu'avant c'était toujours dans le cadre des universités. Et il avait aussi pour mission de faire, je reviens là-dessus, de faire des travaux correspondant aux besoins de la défense nationale. La France, il y a eu l'armistice de 40. Le CNRS, la direction du CNRS de l'époque a été virée par le gouvernement de Vichy. On a mis à la place des directeurs qui ont maintenu le CNRS en place, c'est leur seul mérite, pendant la durée de la guerre. Et à la libération, le gouvernement provisoire de la République, sous l'impulsion d'Henri Vallon, a créé un nouveau CNRS. C'était le même, mais enfin, on a renouvelé complètement les bases, la structure, le fonctionnement, les statuts. Et on a mis à sa tête Frédéric Joliot-Curie, qui après a été nommé à la tête du CEA. Et dans ce nouveau CNRS, on a commencé à parler non pas de scénographie, mais de biologie marine, du point de vue des biologistes. L'océanographie en France a vraiment repris par le biais de la Marine nationale, d'abord. Dans les années 54, la Marine nationale a utilisé un sous-marin de grande profondeur, le Fédérès 3, et puis l'Archimède par la suite. La première plongée de grande profondeur
très profonde a été faite par les Français, avec le commandant Georges Wau, qui est mort maintenant, l'ingénieur du génie maritime Pierre Wilm, qui est actuellement membre de l'Académie de Paris, c'est un vieux monsieur, très gentil. Et pour la première fois, on a un sous-marin qui est descendu à 4050 mètres de profondeur, et pour la première fois, on a vu le fond de la mer, on a vu des animaux se balader sur le fond de la mer. Ça a été la première plongée de grande profondeur. Par la suite, il y en a eu d'autres, comme vous le voyez. Il y a eu à nouveau avec le bathyscaphe, on a plongé à 9500 mètres. Les Américains, avec le sous-marin scientifique Trieste, ont battu un peu les Français. Ils ont plongé jusqu'à 10 000 mètres quelque temps avant. Enfin, ça n'a pas une très grande importance. Donc c'est le début de ce qui continue actuellement, d'abord au CNEXO et puis maintenant au sein de l'IFREMER, c'est les plongées profondes avec des submersibles scientifiques. Et je vous en dirai un mot tout à l'heure, parce que de plus en plus, ces plongées habitées qui avaient leur charme, parce que j'ai pu en faire une dizaine, vont être remplacées de plus en plus par des robots. Alors ça sera, c'est plus efficace, évidemment c'était bien agréable de plonger profond. Alors, l'océanographie maintenant, ce sont j'ai remis le Challenger, j'ai remis le Talisman et le Travailleur, mais ce sont des bateaux comme ici le Beautemps-Beaupré, qui est un navire océanographique et hydrographique armé par la Marine nationale et utilisé par elle, mais une partie du temps aussi par Ifremer. Ce sont le Mario Dufresne qui va sur les terres australes, qui est à la fois un bâtiment ravitailleur et un bâtiment océanographique. Et ici, je crois que c'est encore c'est la nouvelle Thalassa ou c'est le Beautemps-Beaupré encore. Par ailleurs, maintenant, les bathyscaphes engins très lourds sont remplacés par des sous-marins comme le Nautil qui est là. On a les systèmes maintenant pour mesurer la température en profondeur. Avant, on envoyait des bouteilles, on les remontait, on mesurait. Maintenant, on descend des bouteilles qui vont permettre des prélèvements d'eau. Mais par ces systèmes, il y a une dizaine de bouteilles, c'est relié par un câble au bâtiment et en permanence, ça enregistre la température, la salinité, l'oxygène, en permanence sur un ordinateur sur le bord. Donc, on a des mesures en continu. On utilise aussi des filets comme ça pour pêcher le plancton. Et enfin, à la fin dans la deuxième moitié du XXe siècle, sont apparus les satellites. En 1992, le premier Poséidon, un satellite océanographique, a été lancé à la fois par le CNES et la NASA, c'est été lancé par la France, en accord avec la NASA, et on a eu les premières mesures du niveau de la mer et des données de la surface. Parce que les satellites ne voient que la surface, ils ne voient pas en profondeur. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas se limiter aux données des satellites. Il faut avoir des engins qui vont en profondeur. Actuellement, on a des engins automatiques qui plongent, qui enregistrent, qui remontent à la surface et qui envoient les signaux aux bases à terre. Mais il faut des navires océanographiques avec des océanographes qui vont dessus pour faire le travail en mer. Ce n'est pas fini et ça finira pas, j'espère, pour nos héritiers, parce que la partie intéressante du métier, c'est tout de même en mer qu'on l'a fait. Donc à partir du moment où il y a eu les satellites et les ordinateurs, toute l'océanographie a changé. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme grande découverte? La dérive des continents, je regarde l'heure, pour ne pas trop mentre, la dérive des continents, vous avez entendu parler, on soupçonnait déjà que les continents avaient bougé, mais ils étaient rejetés par tous les océanographes. Dans les années 1960, les Américains ont mis en évidence qu'il existait une chaîne continue de volcans qui traversait l'ensemble des océans et qu'au niveau de cette chaîne, il y avait des créations de laves qui se répandaient et qui repoussaient un peu à peu des plateformes continentales qui flottent comme des radeaux sur cette lave, sur ce fond des mers. Et il y a 200 millions d'années, tous ces continents étaient réunis en un seul bloc, la Pangée, peu à peu, ils se sont disloqués. On a la situation actuelle qui, d'ailleurs, évolue. Il y a une mer qui est en train de s'ouvrir ici. Alors ça, c'est une découverte fondamentale parce que ça explique complètement l'histoire de la Terre. Ça permet de repenser tous les problèmes d'évolution au point de vue biologique. Et c'est une découverte, ça a été une révolution totale.
Et ça a été fait indépendamment des satellites. C'est arrivé avant, hein. C'est arrivé dans les années 60. C'est... Autre chose liée à... au niveau de ces dorsales de lave, il y a des sorties d'eau chaude, comme des geysers sous-marins, qui ont été mis en évidence dans les années 1980 par les Américains puis par les Français dans le Pacifique. Cet hydrothermalisme sous-marin, donc c'est des remontées d'eau chaude qui se font dans l'axe de ces chaînes volcaniques, on s'est aperçu qu'elles étaient à se forment des comme ça, des par endroits, des colonnes, des cheminées, d'où sort un liquide, un fluide, c'est de l'eau de mer, à 300-400 degrés, à d'autres endroits 4-5 degrés. Et il y a toute une faune inconnue qui vit autour actuellement, des grands vers, des poissons comme ceci et autres. Et on a découvert tout le long des dorsales, sur toutes les mers, ces faunes hydrothermales et ces sorties d'eau chaude. C'est une découverte très importante qui date des années 1980. Avant, on ne soupçonnait pas du tout ça. Autre chose, je vous parlais des courants. Peu à peu, l'étude des courants profonds a permis de voir qu'il y avait un grand système qui est ultra simplifié ici. En gros, ces courants chauds qui arrivent ici dans la mer de Norvège, au Labrador, le Gulf Stream si vous voulez, ils se refroidissent et donc en se refroidissant, ils s'alourdissent. Par ailleurs, il y a une forte évaporation, donc la salinité augmente, donc cette eau devient dense et plonge dans cette région-là, dans ces deux seules régions, ici un peu en bordure de l'Antarctique, mais essentiellement ici. Et il y a un grand courant général qui est en rouge ici, qui fait le tour du monde. C'est très simplifié parce qu'il y a plein de ramifications. Et à peu près en 1000 ans, les eaux qui ont plongé ici font peu à peu faire surface ici, par ici, dans l'océan Pacifique, dans l'océan Indien, et vont rentrer dans les courants de surface, ces courants profonds, vont être remplacés par des courants chauds de surface qui vont revenir les courants profonds sont en bleu, et peu à peu on va avoir des courants chauds qui vont revenir ici, se fermer sur le Gulf Stream, si on veut, et puis à nouveau le cycle va être bouclé. Un cycle comme ça, ça dure 1000 à 1500 ans. Donc les courants profonds en rouge, entre 2 ou 3 000 mètres de profondeur et les grandes profondeurs, 5 6 000 mètres, ça peut se dérégler. Parce que le changement climatique ramène des eaux plus chaudes ici, la fonte des glaciers du Groenland amène des eaux douces, donc les eaux de surface de la mer du Labrador et de la mer Norvège vont être moins salées, moins froides et donc moins denses, et vont rester plus facilement en surface. Le phénomène s'amorce. Et ça, c'est lié au changement climatique. Et ce système peut, non pas s'arrêter, mais ralentir ou se dérégler. Or, ce système de courant froid et de courant chaud, c'est ça qui commande la totalité du climat sur la Terre. Alors, l'océanographie en France actuellement, il y a l'océanographie militaire. Donc, avec le service hydrographique et océanographique de la Marine, et une de ces instituts qui est à Brest, le Centre militaire d'océanographie, qui ne fait que l'océanographie, donc c'est l'océanographie pour les besoins de la défense nationale, pour les besoins de la Marine nationale, orientée notamment sur les problèmes de son et autres. Il y a le navire océanographique Beaumont-près, je vous en ai parlé. Le pourquoi pas, qui est un navire un peu plus gros, donc on a repris le nom bizarrement de celui de Charcot. Alors c'est un navire qui est également utilisé par la marine et par l'Ifremer, simplement c'est l'inverse, il est armé par la marine marchande et utilisé plus par l'Ifremer que par la marine. Il y a eu le laboratoire de sonographie de l'école navale que j'ai dirigé. C'est un laboratoire qui répondait aux besoins des forces sous-marines, notamment de la dissuasion, et il a fonctionné pendant une dizaine d'années. Après, une partie de ces recherches ont été transférées au laboratoire de Villefranche. Voilà. Donc ça, cette océanographie militaire est importante et existe de jour. Je vous parle de océanographie actuelle. Donc, il y a eu l'Institut scientifique et technique des pêches qui a été créé en 1910, je crois. Je n'ai pas vu la date, je crois que c'est dans le 1910.
et qui répondait aux besoins des pêches françaises. C'était un organisme de recherche publique que nous avons bien connu, n'est-ce pas? Puisqu'on a navigué, Christian et moi, pendant de nombreuses années sur la Thalassa, feu la Thalassa, et sur d'autres navires. L'Institut scientifique et technique des pêches, qui s'appelait Office des pêches avant la guerre, avait un navire, le président Lortissier, qui est ici, qui a servi, qui était dans les forces navales françaises libres et qui a servi de navire école à l'école navale de la France libre en Angleterre. Ici, vous avez une morue pêchée en mer de Barents, un grenadier. Le logo, on n'appelait pas ça le logo, de l'Institut des pêches qui était sur la cheminée de la Thalassa. Donc l'Institut des pêches en 1900, qui marchait très bien, même si les crédits étaient malheureusement pas à la hauteur des besoins. Il y avait un laboratoire à Boulogne, il y en avait un à La Rochelle, il y avait un à Saint-Servant, il y avait un rôle d'océanographie des pêches et aussi de contrôle des productions des coquillages, de contrôle sanitaire. En 1984 ou 87, je ne sais plus, 7, hein, l'Institut des pêches a été fusionné avec le CNEXO qui avait été créé à la fin des années 1960 pour faire de l'océanographie et gérer les moyens de l'océanographie en haute mer, notamment le navire océanographique Jean Charcot, le Crios, la Pélagia et d'autres navires. Dont la Pélagia était l'Institut des pêches. Et ces navires, le CNEXO a été fusionné avec l'Institut des pêches, je crois que c'est en 1987. 4. Et est devenu l'IFREMER, qui nous héberge actuellement, qui a récupéré, bien sûr, les laboratoires de Boulogne, de Lorient, de l'Institut des pêches, de La Rochelle, de Sète, de Saint-Servant. Il y avait des antennes, d'ailleurs, un peu partout. Il y avait des représentants de l'ISTP, Maroscoff aussi. L'océanographie outre-mer a été faite par l'Orstom, qu'on appelle maintenant l'IRD. Météo France, le CNES, l'ETAF, Terre australe et antarctique française, et l'IPEF, l'Institut Paul Émile Victor, s'occupent de l'océanographie dans les mers polaires. Et la météo actuellement, je vais vous en dire un mot, s'occupe beaucoup d'océanographie. Donc ça, c'est le. Et là, vous avez un des navires côtiers, parce que si la flotte de haute mer est à l'IFREMER, la flotte côtière, sauf à une exception près, appartient à l'INSU, c'est-à-dire au CNRS. Notamment le bateau qui l'a. Un mot, à la fin du XXe siècle et maintenant, on a compris que la météo et l'océanographie, ça marchait ensemble, que le climat ne vivait pas indépendamment de la mer et que l'océanographie et la météorologie devaient travailler la main par la main, ce qu'ils font volontiers. Et donc, ces deux créations, puisque la météo a été créée à la fin du XIXe siècle aussi, ces deux organismes travaillent ensemble maintenant parce que les problèmes du climat dépendent de l'atmosphère, mais l'atmosphère dépend de la mer et réciproquement. Et donc actuellement, on ne peut plus faire d'océanographie physique, ni de météorologie, ni de climatologie, s'il n'y a pas un travail en commun des océanographes et des météorologistes. C'est pour ça que je disais que les météorologistes s'étaient mis à faire de l'océanographie et que des océanographes comme moi se sont mis, notamment par l'intermédiaire de la Marine nationale, à faire de la météorologie. Donc c'est pour ça que j'ai mis que le changement climatique, un changement global, consacre l'union de ces deux disciplines, quoique les océanographes sont des océanographes, les météorologistes sont des météorologistes. Mais les deux se comprennent. Enfin, je termine avec ça, on fait maintenant ce qu'on appelle l'océanographie opérationnelle, c'est-à-dire qu'à partir des données des satellites, des données des bouées à vent dont je vous parlais rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire des bouées qui sont lâchées, il y en a plusieurs milliers, 3000 dans le monde entier, qui descendent en profondeur, qui relèvent la température, la salinité et les courants, qui remontent périodiquement en surface, qui envoient des signaux à terre. Ces bouées, plus les données des satellites, plus les données des navires océanographiques. Tout ça, c'est intégré par une maison qui s'appelle Mercator, qui est maintenant est un organisme. À l'origine, c'était français, c'était à Toulouse, c'est toujours à Toulouse,
et maintenant a été reconnu par la communauté européenne, on fait de la prévision marine comme on fait de la prévision météorologique. Et actuellement, j'abrège, Mercator est capable de prédire non seulement ce qui se passe à la surface de la mer, comme la météo avec le vent et autres, mais les mouvements des couches d'eau, la nature des couches d'eau en profondeur sur le monde entier. Ça permet de faire, pour la marine de guerre c'est important, mais pour la pêche c'est important, pour énormément d'activités c'est important. Alors la prévision elle n'est pas au jour le jour comme la météo, la mer réagit plus lentement, c'est une prévision qui est faite à 15 jours. Et maintenant c'est désormais un programme européen, et Mercator Coriolis c'est la base de données qui est à Brest. Et Mercator donc est à Toulouse, Jason c'est le satellite, et actuellement c'est ce qu'on appelle Mercator, qui c'est l'INSUL, CDRS, le CHOM, l'IRD, Météo France, le CNES et IFREMER. C'est un EPIC. Et donc, on fait de la prévision, maintenant, ce qu'on appelle l'océanographie opérationnelle, on fait de la prévision océanographique, et ça, c'est quelque chose de très récent. Vous voyez, ça a commencé il y a une quinzaine d'années. Voilà, bon, à droite, c'est mon bouquin. Bon, ça, c'est quelqu'un qui a très bien décrit la mer dans son ouvrage chez Michelet. Il a fait un bouquin sur la mer qui est remarquable, c'est un vrai plaisir. En plus, il écrivait un français admirable. Je vous remercie. Oui, bonsoir. On dit souvent que le niveau de mer monte. Oui. Et en réalité, je crois que ce n'est pas homogène partout, sur toute la surface. Ce n'est pas homogène partout. En moyenne, il monte. Il monte plus ou moins selon les régions, effectivement. Dans le milieu du Pacifique, il ne monte pas beaucoup. Sur nos côtes, il monte beaucoup, oui. Ce n'est pas homogène, c'est vrai. En moyenne, il monte, c'est sûr, de quelques centimètres. Mais ce n'est pas homogène, parce que ça dépend de la forme des bassins, ça dépend de la température de l'atmosphère, ça dépend des courants. Mais en moyenne, globalement, dans l'ensemble de l'océan mondial, ça monte, effectivement. Et si on ne corrige pas les émissions de gaz, malgré les belles déclarations gouvernementales à droite et à gauche, si on n'augmente pas la lutte contre l'augmentation des gaz à effet de serre, en particulier du gaz carbonique, du dioxyde de carbone, la température va continuer à augmenter et donc le niveau de la mer va augmenter. Le niveau de la mer a une qualité, c'est un excellent un repère, d'excellentes données qui permet d'apprécier le changement global de température et du climat. Parce qu'il intègre la totalité des problèmes qui se posent dans l'atmosphère. N'y a-t-il pas une évolution des fonds sous-marins ? Oui, très lente, puisque l'Amérique s'écarte de l'Europe, l'Amérique du Nord, à la vitesse de quelques centimètres par an, effectivement. Et c'est la dorsale dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on a appelé la dérive des continents. Il y avait un Allemand, Wegener, en 1910-13, qui avait mis en évidence ce phénomène en comparant la forme de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, qui s'emboîtaient bien. Alors, il avait plusieurs défauts, Wegener. La première, pour les géologues, il n'était pas géologue, il était météorologiste. À l'époque, on ne parlait pas trop de océanographie. Et tout le monde... en plus, pour les Français, il était allemand. Et donc, peu à peu, la théorie de Wegener a été, pas par tout le monde, mais a été souvent ridiculisée, abandonnée. Dans les années 60, les professeurs de géologie à la Sorbonne, quand ils parlaient de Wegener, c'était rigolo. Hein. Et les mêmes professeurs que j'ai entendus se moquer de Wegener, dans une dizaine d'années après, je les ai vus présider des thèses et pontifier sur la dérive des continents. Voilà. Mais effectivement, les continents s'écartent. Peu à peu, l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud s'écartent, c'est vrai. Et ces créations de... Mais comme globalement, le globe, il ne se gonfle pas comme une boutruche, les fonds créés par la lave aux sorties des dorsales, s'ils ne disparaissaient pas quelque part, ben, ça ne collerait pas. Donc ils disparaissent, ils rentrent en profondeur
et il rentre en profondeur à des endroits très précis. Ce sont les grandes fosses océaniques, comme celles qui bordent le Japon, les Philippines et autres, et qui sont cause de ces plongées du fond sous-marin sous les continents et sous l'Amérique du Sud aussi, au niveau des Landes, dans toutes ces zones de tremblement de terre et de volcanisme. C'est dû à ces plongées du fond dans les profondeurs. C'est parce que ça peut pas, le globe, il ne se gonfle pas, donc il faut bien que ce qui est créé quelque part disparaisse ailleurs. Dans l'Atlantique, il n'y a pratiquement pas de fosse. Donc l'Atlantique continue à s'ouvrir tranquillement, dans le nord et dans le sud. Enfin, on ne s'en aperçoit pas beaucoup, mais on s'en aperçoit, les gens qui font des mesures, notamment depuis maintenant qu'il y a les GPS et autres, ça se voit très bien, quoi. Bonjour et merci pour ce brillant exposé parce que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'ai une remarque, vous avez dit que ça ouvrait, enfin de faire de l'océanographie, ça ouvrait l'exploitation de la pêche des grands fonds. Oui. Moi j'aurais tendance à dire que le phytoplancton, enfin le plancton de surface, oui. C'est lié à la chaleur solaire, donc à l'énergie oui. solaire qui génère beaucoup de vie. Je me dis qu'au fond, il y a beaucoup moins de vie. Et si on commence à aller chercher des ressources organiques au fond de la mer, on va vite assécher la ressource, quoi. Alors, est-ce qu'il y a ces pléthores de millions de tonnes de poissons qui attendent qu'on y aille ou il faut faire gaffe ? Il y a... C'est sûr que dans les grandes profondeurs, notamment à 3000, 6000 mètres de profondeur, il y a tout de même une vie importante, y compris des poissons. Il y a une vie tout de même beaucoup plus importante qu'on ne croyait. Je ne parle pas des sources hydrothermales où c'est un foisonnement. Et on trouve de la vie jusque dans les plus grandes profondeurs, 11 000 mètres dans les fosses ou dans les Philippines. L'exploitation des ressources profondes, qui à mon avis est parfaitement justifiée, j'ai assez encouragé à le faire. Ce n'est pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Ce sont des ressources précises, ce sont par exemple le sabre et notamment le grenadier, dont je vous ai présenté à plusieurs reprises des photos. J'ai fait ma thèse doctorat de thèse sur le grenadier. Ces poissons, les grenadiers, ce grenadier-là, Corypheidaeus rupestris en particulier, forment des bancs importants à des profondeurs de l'ordre de 600, 700, 800 mètres. Ce sont des bancs qu'on voit parfaitement sur les sondeurs et qu'on connaît et qui sont étudiés. Et donc, ils sont exploités et exploitables. Ils ont été exploités dans les années 60 par les flottes soviétiques et d'Allemagne de l'Est et par les flottes françaises, notamment de Lorient et de Boulogne, à partir des années 80 à peu près, je crois, c'est ça. Et donc là, il y a des stocks de grenadiers, pour celui-là, puisque vous le voyez sur les marchés. Il y a le sabre aussi, hein, mais c'est différent. Il y a le merlan bleu aussi. Mais le merlan bleu, c'est un poisson pélagique. Ces stocks de poissons vivent au voisinage du fond, donc sur des profondeurs de l'ordre de 800 mètres, donc tout à fait, avec les moyens de pêche actuels, tout à fait atteignables. Mais ils ne sont pas pêchés n'importe comment, n'importe où. Ils sont pêchés avec des chaluts, bien sûr. Ils sont étudiés... En France, c'est mes camarades de l'IFREMER qui étudient les stocks de poissons de grenadiers comme on étudie les stocks de morues, de harengs ou d'autres espèces commerciales. Et actuellement, cette pêche est contrôlée par la communauté européenne. Il y a des quotas établis par la communauté européenne, notamment pour la pêche française. C'est surtout les Français qui pêchent les poissons. Et donc... ça ne pose pas de problème particulier. Il y a eu certainement une surexploitation au début, et maintenant, d'abord, il y a un rapport de l'IFREMER, que j'ai pas là d'ailleurs, mais que j'ai cité dans une publication récente, et qui dit qu'effectivement, à partir du moment où on les surveille comme les autres stocks de poissons, même s'ils sont un peu profonds, c'est pas très profond, 800 mètres. 800 000 mètres, et donc on peut très bien les exploiter, il n'y a pas de problème. Je sais très bien qu'il y a deux ou trois personnes qui ont réussi à faire un battage considérable, même si elles sont profondément irresponsables, et elles ne représentent qu'elles-mêmes contre les pêches profondes, et que ça a eu un certain écho. C'est une opération publicitaire bien menée, mais sur des bases fausses.
Et donc, je pense qu'on continuera à exploiter les stocks de poissons de profondeur. Oh, je sais pas ce que j'ai fait. Encore pendant un certain temps, même si il n'y a pas de raison de ne pas le faire. C'est pas laissé, c'est pas sauvage. On fonce, on ramasse tout et tout. Ah ben la nourriture, effectivement, ce que vous disiez, c'est exact. La nourriture vient de la surface. Hein. C'est pour ça. Alors là, comme 800 mètres, c'est pas 1000 mètres, c'est pas très profond. Il y a encore pas mal de nourriture. C'est les particules qui descendent des cadavres, des animaux, le plancton végétal. C'est dans la partie éclairée, une centaine de mètres, 200 mètres si on veut. Puis c'est bouffé par du plancton animal. Et puis le plancton animal, il fait des mouvements verticaux quotidiennement. Quelquefois de très grande ampleur. Et puis il y a tous les cadavres, des poissons, des baleines, et puis toutes les particules. Et c'est ça dont se nourrissent ces poissons. Alors les grenadiers en particulier, je connais bien leur alimentation. Et ils mangent d'autres poissons. Ils mangent des petits poissons, ils mangent des crustacés, ils mangent des coquillages sur le fond. Jusqu'à 1000 mètres, les fonds sont assez. Alors il y a une chose qui n'est pas. Qui ne se fait pas, qu'aucun pêcheur commercial ne fera, c'est aller chalutier dans les massifs de coraux profonds de l'Atlantique Nord. Parce que, par expérience, je ne sais pas si tu étais à bord, quand on a fait ça au large de Rocal, notre chalut, il n'est pas revenu. Enfin, il est venu en pillou, comme on dit, chez moi, en Montagne Nord, en chiffon, parce que ça cisaille complètement les chaluts. Donc, aucun, ils sont parfaitement connus, ces massifs de coraux profonds. Aucun patron de pêche, à moins qu'il soit complètement fou, ce qui n'est pas le cas en général, n'ira pêcher là-dedans. Donc les pêches profondes ne détruisent pas les coraux profonds. Okay. Parce que, et nous, par deux fois, j'ai vu remonter des chaluts sur la Thalassa. On avait pêché dedans délibérément pour savoir ce qu'il y avait dedans, parce qu'il y a une faune importante dans ces massifs de coraux profonds. Mais on n'a pas recommencé trop, parce que je pense que la direction de l'Institut des pêches qui payait les chaluts aurait peut-être pas apprécié beaucoup. Mais quoi que, bon, oui, juste une autre question. Merci d'avoir lancé sur les pêches profondes. Effectivement, enfin, on avait cette question là aussi. Ben, on peut parler peut-être de la morue à Terre-Neuve aussi, si tu as une opinion là-dessus sur comment effectivement on peut. Bon, on entend beaucoup d'explications, mais ça dure quoi, effectivement. La morue à Terre-Neuve, c'est un truc compliqué. Alors, il y a trois facteurs différents. J'ai fait pas mal de campagnes à Terre-Neuve avec le Crios à partir de Saint-Pierre-et-Miquelon, le Thalassa, il y a longtemps. Mais le problème se pose depuis longtemps. Il y a d'abord la surpêche. La surpêche, ça a été très pêché, hein, depuis le temps qu'on pêche la morue à Terre-Neuve, c'est pas nouveau. Donc il y a eu une pêche importante, mais pas forcément une surpêche. La deuxième chose, c'est les phoques. Ces chers petits phoques, ces mignons, ils bouffent à eux seuls autant de poissons, de morue notamment, et de l'alimentation de la morue, que la pêche le faisait. Ça, c'est la deuxième chose. Et donc, quand des gens comme moi, on a demandé qu'on maintienne la chasse aux phoques, et quand ma sœur s'en est occupée aussi, parce que je ne vous ai pas parlé de l'anthropologie maritime qui est arrivée aussi dans les années 70. C'est une discipline qui a étudié plus les marins et les pêcheurs et qui a été créée par Alliage des Orfères, ma sœur, et qui a ici s'est beaucoup occupée de la Maison de la Mer avec Dominique, Yannick et les autres. Elle avait étudié beaucoup les populations de phoques à Saint-Pierre, aux îles de la Madeleine. Et vous avez su la campagne avec Brigitte Bardot et autres hommes sensibles sur les petits bébés phoques, qui sont après tout que des jeunes phoques. Et moi, j'ai été commissaire royal pour la chasse aux phoques, et avec les autres commissaires royaux, il y avait un Canadien, un Américain, un Anglais, où on s'est prononcé pour le maintien de la chasse aux phoques. Mais le gouvernement canadien l'a arrêté, sous la pression des hommes sensibles. Et le résultat, c'est que la population de phoques a tellement augmenté que ils bouffent énormément de poissons, notamment de morue. Les Norvégiens ont exactement le même problème avec leurs phoques. C'est le deuxième facteur. Et le troisième est beaucoup plus incompréhensible. Les océanographes canadiens
ont constaté qu'il y avait eu une modification des températures de l'eau dans la région de Terre-Neuve. Sans qu'ils aient d'explication, moi qui existe maintenant, ben, que, moi je ne la connais pas, à l'époque on ne la connaissait pas, il y a eu une modification des eaux et la morue a des intervalles de température bien étroits. Et cette modification de la température des eaux a profondément perturbé certainement les stocks, les populations de morue. Donc c'est ces trois facteurs qui font que les populations de les stocks de morue dans le nord-ouest atlantique ont diminué. Alors cela dit, je ne sais pas où ils en sont actuellement, mais je pense que les Canadiens qui ont été vigilants, qui ont empêché la France d'avoir une zone économique autour de Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf une bande inexploitable au sud, continuent à pêcher la morue, hein, mais je ne sais pas dans quelle quantité. Donc la distribution des morues, pour ce que j'en sais, c'est dû à ces trois causes-là. Je ne sais pas actuellement où ça en est, je ne sais pas si tu sais. Pas plus. Merci de ces explications. Et d'ailleurs, je pourrais juste rajouter une petite chose. Je me souviens de dépêches AFP aussi, ça rejoint l'EFOC et la température. En fait, ça fait un peu le lien entre les deux. Oui. Mais de dépêches AFP qui disaient que ça remonte à quelques années. Je ne sais pas si ça arrive régulièrement. Oui. Mais des phoques qui poussaient les morues dans des fjords à Terre-Neuve et il y avait des arrivées d'eau douce importantes en surface. Ça modifiait la température. Il y avait un gros écart de température. Et les morues crevaient par milliers de tonnes, quoi. Je me souviens, dans une rade, 5000 tonnes de morue, quoi. Et ils ramassaient ça pourri, quoi, les morues pourries. Et c'était les phoques, en fait, qui poussaient, comme les dauphins le font quelquefois avec les barres, je l'ai observé sur des barres, mais ils poussent comme ça dans l'anse, quoi, si on veut, et les morues crevaient parce qu'il y avait une différence de température trop importante, quoi. Je savais pas ça, mais je savais que les Norvégiens étaient emmerdés avec leurs phoques aussi. Mais ça, c'est pas la peine d'aller chercher très loin. Comme certains le savent ici, ma famille habite en partie à Ouessant. Il y a des phoques dans l'archipel de Molène. Et mes petits camarades pêcheurs de Ouessant, quand on leur parle des phoques, des petits phoques qui sont protégés, et ça va être d'autant plus puisque maintenant il y a une zone d'air protégée, quand on leur parle des phoques, ils n'apprécient pas du tout les petits phoques. C'est vrai que ça bouffe beaucoup de poissons. Bon, je ne suis pas du tout biologiste ni spécialiste, mais c'est vrai que quand il m'arrivait de poser la question sur le nombre de phoques, parce que on parle de millions de phoques, et entre Terre-Neuve et le Labrador, je pense que c'est 6 millions de phoques. Hein. Ouais, j'avais demandé confirmation, ce qui est quand même monstrueux, quoi. Enfin oui, on n'imagine pas ce qu'ils peuvent. Enfin bon, ça c'est dans la nature, mais c'est vrai qu'il y en a sûrement beaucoup plus qu'il y a eu une époque. Bah oui, à un moment c'était chassé, ça régulait la population. Hein. Oui. Et pendant que j'ai le micro, une petite question aussi. Bon, on a été bercé, alors c'était peut-être très médiatique, mais juste, en fait, tu n'as pas parlé du commandant Cousteau dans cette histoire. C'est volontaire, Cousteau. C'est un apport mineur. Cousteau, le cinéaste. Oui. C'est ce que j'ai. Merci, je m'attendais à une réponse de ce type-là. Merci. Les scaphandres autonomes ont été mis au point avant la guerre, puis après, par le capitaine deux officiers de la Marine nationale, Taillez et Prieur, et l'ingénieur Gagnon. Et il se trouve que après, le commandant Taillez, que j'ai connu, qui était... Je trouvais que c'était un vieux monsieur de l'année 60, il était plus jeune que je le suis maintenant. Le commandant Taillez, qui avait fait la guerre d'Indochine et qui était un de ceux qui avait créé, mis au point avec ses collègues le scaphandre autonome, a créé le groupe d'études et de recherche sous-marine de la Marine nationale, qui existe encore sous des noms variés, le nom a changé, mais le principe reste le même. Et il y avait un bateau qui était les Limoniers, et il y avait... comme dans la marine, ça se fait beaucoup, on met un commandant sur les bateaux. Il y avait un commandant qui s'appelait Cousteau et qui avait l'avantage d'avoir une femme qui était d'ailleurs, elle, quelqu'un de très gentil, et qui était liée à l'air liquide. Et Cousteau a eu connaissance des travaux des trois autres, même, et donc a intervenu un peu pour modifier, améliorer le scaphandre qu'avaient mis au point les autres, c'est un fait. Et surtout, il a été connu après par le film qu'il avait déjà projeté pendant la guerre devant les autorités d'occupation, qui améliorait et devenait le monde du silence.
après, ben, vous connaissez son destin. Et il ressort maintenant dans des films que j'irai Merci. Peut-être pas voir. Je sais pas. J'irai peut-être. Je crois pas tout de même. Je vous propose peut-être d'arrêter là. Merci Patrick. Bonne soirée.